Et hop, tout le monde, les gens, c'est Rage Ghost, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, moi ça va super bien. Et on se retrouve pour un nouveau gameplay, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce gameplay, je le présente tout de suite. Ce gameplay, c'est une double DNA au Morse, donc une double DNA au sniper Morse. Donc là, je crois que c'était pas le Elite ni rien du tout, je crois. C'est un gameplay qui date, voilà, j'en ai plein comme ça sur ma chaîne que je vous ai pas posté directement parce que voilà, il va falloir que je vous parle de 2-3 petites choses parce que le sujet d'aujourd'hui, il y aura deux sujets, il y aura un, enfin le premier sujet ce sera sur un peu la motivation à faire des vidéos sur YouTube et le deuxième ce sera sur, on va dire, le retour sur les anciens Call of et tout, comme ça on en débattra sur la seconde partie de vidéo. Mais tout de suite on va passer au premier sujet. Donc le premier sujet les gars c'est donc, je me répète, la motivation à faire des vidéos sur YouTube. Donc comme vous avez pu voir, d'ailleurs je vais m'excuser sur cette occasion pour ma petite inactivité sur YouTube. C'est à dire j'ai fait une semaine sans vous poster de vidéo alors que j'avais dit que je pouvais pas faire de vidéo, enfin au moins une vidéo par semaine, je voulais vous le dire. C'était au moins ça dans mes tarifs un peu. Et donc là ce qui s'est passé c'est que pendant les vacances j'avais fait à peu près une douzaine de vidéos par semaine. Et c'est vraiment vraiment énorme les gars. Donc vous imaginez combien de commentaires je faisais par jour et combien de rendus etc je faisais par jour. Et c'était vraiment une période où je me, voilà, j'adorais faire ça. Franchement j'ai vraiment fait ça toute la journée limite, du montage, du rendu. Et c'est vraiment un truc qui m'avait plu tellement que j'avais de gameplay, bah j'ai pu vous poster vraiment la meilleure perf que j'avais sur ma chaîne à chaque fois. Avec un bon commentaire de fond et tout, voilà. Bref, c'était des belles vidéos, une belle semaine comme ça. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire ça. Et du coup, ce qui s'est passé c'est que j'ai tellement fait de vidéos cette semaine là que à la rentrée quand elle a eu le retour des cours, des devoirs, etc. Et de, j'ai moins de le temps de faire ça, il s'est passé que j'ai plus eu la motivation de faire des vidéos. C'est à dire que en gros j'ai tellement fait de vidéos que je me suis saoulé en faire alors que c'est carrément ma passion de faire ça. Et donc bah qu'est-ce qui s'est passé, et ben j'ai arrêté. Je me suis dit bah soit j'avais tellement, en fait j'avais la motivation à rien faire limite, tu vois, j'avais des cours un peu, des contrôles un peu de par-ci par-là, je révisais bien sûr, tu vois, je suis pas comme ça, bien sûr je révise comme tout le monde, il y en a qui révisent pas peut-être, mais bon. En terminale, quand t'as le bac à la fin, oui, je révise. En première, c'était moins le cas. Donc là, après, bah voilà ce qui s'est passé. Et donc, ceci, c'est pour ça que je voulais vous dire aussi une petite chose par rapport à demain, que j'avais prévu de faire un petit top 10 abonnés actifs, comme ça faisait 2 semaines. Mais là, comme j'ai sorti que 2 vidéos, ça va rien donner du tout. Parce que sur 2 vidéos, les gars, ça a pas. Vous verrez, enfin, de toute façon, si je vous montre. Vous aurez pas, peut-être les barres remplies de likes, de commentaires, etc. Si vous voulez, tu sais, les barres sont quand même assez remplies. Enfin, sont à la moitié, j'irais, mais elles sont pas complètement, genre, le gars qui fout le partage et tout. Mais ça, c'est pas de votre faute, c'est juste parce que vous n'avez pas de vidéo à liker ou à commenter ou un truc comme ça. Donc, normalement, le top 10 aurait bidé. Parce qu'en 2 semaines, je crois que j'ai fait que 2 vidéos, qui est vraiment, vraiment pas beaucoup. Et donc, voilà, donc ce sujet de commentaires. Là on a passé par l'étape la motivation à faire des vidéos. Là aussi un truc si vous voulez, il y a une autre motivation, c'est que quand vous rentrez des gameplays, là vous avez vraiment envie de mettre des vidéos sur YouTube. Alors que quand vous en rentrez pas, là d'un coup vous allez moins avoir la motivation d'en faire. Parce que pour vous, vous avez qu'un seul gameplay, vous avez envoyé le gameplay, vous aurez plus rien après et puis voilà. Là ce qui s'est passé, il y avait aussi un peu de ça, c'est que j'avais tellement de gameplay, je les ai tellement... on va dire dépenser pendant les vacances. Enfin, j'ai quasiment tout upload pendant les vacances, les meilleurs gameplay. Et là, à la fin, bah, il me restait quoi? Des doubles. Je crois que j'avais encore. Il me restait 3 doubles DNA simples en domination. Une double DNA au Morse là maintenant. Et il devait me rester. Ouais, des plus de 100 kills non létales, etc. Vous allez me dire, c'est déjà quand même bien, mais bon. Le truc aussi, c'est que je vous ai mis mes meilleurs gameplay pendant la semaine. Et du coup, mettre un gameplay qui serait un peu moins bien, c'est-à-dire quand je vous mets une quad DNA et qu'on repasse à une double DNA, c'est vrai que il y a quand même un gros changement, même si un c'était de la CTF, l'autre c'était de la domination normale. D'ailleurs les gars, juste une petite parenthèse que pour ça, j'ai repris, un compte RB, et je me suis remis sur AW, parce que là vous avez vu ces derniers temps, j'étais sur old gen, je veux dire avec Tonio, puis là je me suis remis... sur AW un peu, de toute façon je reviendrai sûrement sur PS3 parce que Tonio m'a demandé de revenir.
Donc je pense que je ferai sûrement des journées comme ça où je reviendrai peut-être une journée pour faire des défis avec lui. Et donc comme je me suis remis sur Next Gen, j'ai une petite motivation les gars, c'est de sortir la première quad DNA en domination 6v6 ou 9v9, c'est pareil, en domination en tout cas, la première quad DNA FR, parce que les Américains en ont sorti deux je crois. Et donc qu'est-ce qui me motive à faire ça, c'est que juste j'ai remarqué que quand j'ai fait un retour sur d'ailleurs juste un truc les gars, là c'est transition hein, on passe au deuxième sujet de commentary. Et donc le deuxième sujet de commentary c'est quoi? C'est le retour sur les anciens codes. Et donc là ce que j'étais en train de dire c'est que depuis que je suis revenu sur les anciens codes et que je suis revenu sur AW, j'ai pris énormément de level. C'est à dire que en gros quand vous retouchez aux anciens codes, c'est à dire vous retouchez à tous les anciens codes, ça change vraiment de ce code là, parce que là on n'a pas le double jump, on se sent vraiment un poids lourd quand on court, et donc on n'a pas on n'a pas les mêmes sensations à chaque call-off, c'est vraiment très différent, faut s'habituer à tout, faut toucher à tout. Et donc là c'est ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai touché un peu de BO2, j'ai touché un peu de MW3, j'ai touché un peu de Ghost, j'ai touché un peu de MW2, j'ai pas touché à BO1, je crois que c'est le seul que j'ai pas touché dans ce que j'ai comme jeu. Et donc, dans tous ces jeux-là, ça change vraiment beaucoup à chaque fois. Dans MW3, t'as l'impression que mon gars, t'as 50 kilos sur toi en plus de ton de ce que t'as, enfin de ton poids à toi. Et donc, t'as l'impression vraiment d'être un gros poids lourd qui court pas vite. Jusqu'à que t'as tes spécialistes, et là, vraiment, ça change. Et donc, sur ce jeu-là, c'est vraiment le jeu où j'ai le plus squatté pendant les vacances, où j'ai fait genre peut-être une cinquantaine de mobs. Là, je vous ai posté d'ailleurs 3 mobs à la suite, même une mob contre Frager. À la base, c'est pas vraiment de la perf d'ailleurs. Une mob, 3 mobs à la suite, c'est pas vraiment quelque chose de ouf, parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs dans mon bac MW3, bac old gen. Et là, c'était juste parce que, genre, j'avais dit au début de la partie, genre, si je te mets une mob, Frager, parce que c'était un abonné super actif et tout, c'est un pote que j'ai invité, et ben, je la mets sur YouTube. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je lui ai mis la mob. Et du coup, pour rigoler, histoire un peu de mettre du fun, parce que le live était quand même assez bien, et ben, je l'ai foutu sur YouTube, sur ma chaîne et tout. J'espère que vous allez aimer. Et donc, sur ce petit back old gen, j'ai pu réaliser d'ailleurs plusieurs gameplays. Donc, je crois que. Ah non, j'ai même pas. Si, j'en ai réalisé un. Sur MW3 encore, parce que je crois que je ne posterai pas d'autres jeux. J'ai réalisé un petit gameplay, c'est une MOAB contre un lobby M-Bot avec un radar et tout. C'était pas le lobby invincible, parce que sinon j'aurais pas réussi. De toute façon, quand tu as un invincible en face, tu peux être le meilleur du monde. Tu peux pas, si tu peux lui faire une MOAB, mais pas contre lui en fait. Tu l'auras jamais tué le mec, c'est juste faut pas qu'il te croise. Là, le mec, il avait un M-Bot, il avait un lobby radar et tout, et je l'ai tué 2-3 fois quand même, ou 4-5 fois plutôt. Dans ma série, et je lui ai fait une MOAB contre lui. Donc je sais pas comment j'intitulerai la vidéo, genre un truc genre MOAB vs Lobby M-Bot, ou je suis plus fort qu'un Lobby M-Bot, ou genre j'ai un Lobby M-Bot dans les doigts, j'en sais un truc comme ça. Alors enfin un Lobby M-Bot dans les doigts, c'est pas le cas hein, c'est juste une façon fun de dire le titre. En gros que j'ai niqué un Lobby M-Bot et que je suis plus fort qu'un Lobby M-Bot. Non, c'est un peu la vision fun que j'ai de ce titre là. Donc mettez-moi dans les commentaires si ça vous plaît, enfin de me donner un titre pour ma prochaine vidéo. Je sais pas si c'est avec ma prochaine et tout, parce que de toute façon faut que je retourne sur Old Gen pour filmer le gameplay, parce que là j'y suis pas. Le truc il est... Ah non, peut-être que je l'ai dans mon disque dur, mais je sais pas si je l'ai pas sup les gars, donc je sais pas. Pire, donnez-moi un titre, on sait jamais si je le sortirai. Et un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que je voulais réaliser une double MOAB sur mon bac Old Gen, que j'ai foiré peut-être genre un ou deux à chaque fois pendant 5 ou 6 parties je crois, où j'ai foiré à un ou deux de la double MOAB. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Et du coup, ça m'avait un peu gavé, parce que ça m'avait un peu saoulé aussi de jouer sur MW3. Du coup, bah, je me suis dit, putain, j'ai pas de double MOAB. Et c'est Bini qui allait fouiller dans mon mode studio. C'est d'ailleurs, juste pour vous dire, le compte que j'avais là sur MW3, c'est un compte que j'ai créé sur MW3. Donc, le jeu, il est sorti quand même, je crois, là, 3 ou 4 ans. Et justement, sur ce mode studio, sur ce jeu, il y a 4 ans, j'ai remarqué, enfin c'est Benny qui m'a trouvé une double MOAB, donc une double MOAB qui date de 4 ans. Donc c'est une double MOAB où j'avais un level comme vous un peu, enfin je sais pas comme vous quand vous êtes à votre deuxième ou troisième call-off, un truc comme ça, là moi j'en suis à mon sixième, un truc comme ça. Et donc c'est peut-être intéressant que je vous poste ça justement, ma façon de me déplacer il y a 5 ans, enfin non il y a 4 ans. Et donc ça m'a vraiment surpris, parce que je me disais mais j'avais pas de level, enfin cette époque là j'avais du level, mais enfin je veux dire j'avais quand même réalisé 250 mobs, mais des doubles mobs pour moi
c'était de la perf, mais je connaissais pas encore vraiment ce domaine-là. C'était un domaine que j'ai découvert, on va dire, au début de Ghost, donc avant une double mob sur moi, ça m'a vraiment surpris. D'ailleurs, je remercie, grosse dédicace à Benny, je pense que je le mettrai dans la description. Donc allez voir sa chaîne, c'est vraiment un gars. Il a 23 ans, donc ça peut être intéressant de regarder une personne qui a une voix mature et qui est mature. Donc voilà, donc grosse dédicace à toi, allez voir sa chaîne, elle sera dans la description. Et donc, voilà, donc je voulais dire aussi de quand je suis retourné sur AW, ben la façon, la manière de jouer que j'ai eu et les déplacements que j'ai eu ont totalement changé. Ça m'a vraiment mis beaucoup plus d'expérience de revenir justement sur Next Gen. Parce qu'on va dire que sur AW, vous mettez un double jump, c'est pas, je compte pas ça comme un réflexe, c'est juste une esquive pour moi. C'est pas un réflexe, c'est une esquive. Et le shoot, vous le perdez un peu parce que vous faites. C'est pas du tout la même façon de jouer. Et donc, ce que vous avez sur Old Gen, c'est que comme vous courez vraiment super lentement, vous croisez vraiment des ennemis toutes les. Genre toutes les 30 secondes et pas toutes les 10 secondes ou toutes les 2 secondes sur AW. Et donc ce que vous faites, c'est que dès que vous avez un ennemi, vous n'avez pas envie de crever, vous avez envie d'enchaîner. Et donc vous essayez d'avoir le maximum de réflexes et maximum de déplacements dans chaque call of pour essayer de remporter ces duels et remporter ces petites MOAB, ces petites nucléaires en tout cas. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand tu retombes sur AW, t'as encore ces réflexes là, jusqu'à qu'ils se perdent au bout d'un moment, parce que au bout d'un moment vous aurez plus ces réflexes car vous serez réhabitué à AW. Mais au tout début, je peux vous dire que vous prenez vraiment un max de level. Et vous reconnaissez même plus. Et vous allez voir que vous allez vraiment reprendre un peu du plaisir à rejouer à AW. Parce que c'est ça aussi le truc. C'est que AW, c'est quand même un bon jeu. J'avoue que c'est vraiment un bon jeu, ce jeu. Et retourner sur d'autres jeux comme MW3, BO2, qui c'était aussi des bons jeux, ça fait vraiment du bien. Et vous retrouvez un peu la sensation de jouer à un code. Alors que là sur AW, ça m'avait vraiment aussi gavé, c'est ce qui aussi m'avait saoulé de faire des vidéos sur YouTube, c'est une partie aussi. Car j'étais même retourné sur Counter-Strike Go, enfin Global Offensive, avec des potes de ma classe d'ailleurs, que je leur fais une grosse dédicace dans cette vidéo. Donc voilà, donc le commentaire là, il atteint 12 minutes les gars, donc c'est vraiment énorme, 12 minutes de commentaire, parce que le gameplay je crois qu'il fait à peu près 14 minutes et quelques. Donc ça faisait assez longtemps que j'avais pas commenté une vidéo, genre 2 semaines, une vidéo aussi longue. Ça fait vraiment bizarre parce qu'en fait, la vidéo que j'avais postée sur MW3 c'était un live, donc ça avait pas beaucoup de... Ça fait pas beaucoup de commentaires à faire, c'est juste jouer en même temps avec des potes, taper des délires et tout, c'est pas commenté pendant 15 minutes. Donc c'est pour ça que les gars là, je vais vous laisser sûrement sur une petite musique et je vous souhaite une bonne journée, etc. Comme d'habitude, je vais dire ma phrase de fin, c'est-à-dire liker, partager, commenter, ça me fait vraiment ce plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour les 2800 abonnés, ça me ferait encore plus plaisir. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je pense que le niveau de commentaire, je l'aurais repris un peu, parce que là, on va dire que je suis un peu mou et j'essaie de commenter les gars et passer les temps blancs que j'aurais pu avoir si j'aurais pas eu de sujet, etc. Donc voilà, donc je pense que je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, c'était Rage Ghost. Peace. Non, je l'aime pas. C'est ça, je te rachète. La partie qui est là, c'est un peu que le rachète. Fabio, t'es encore un flot comme merde. Ouais, et maintenant, il va me tuer moi. Il est ghost par les soirs. Ghost, il est par les filles. Oh putain, il était là! La fille, mais non, les habitudes. Putain, mais voilà, ici, j'étais mort. Benny, je t'ai vu tout au fond. Ah! Ta gueule!
Y'a pas de gars, il se fait une moi. Direct, hein, mec, un Fragger, t'es dans la merde, là, je te le dis. Hein. Moi, je te dis, arrête YouTube, hein. Vaut mieux. Voilà, tu voulais jouer en face, Fragger, assume. Yeah.